C'est un livre que j'ai commencé à écrire tout de suite, en fait, et qui a été assez difficile à écrire pour moi. Mais vous savez, c'est une impression, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix et que si je l'écrivais pas, ça servait plus à grand-chose d'écrire. Effectivement, j'aime bien votre métaphore avec le jardinier parce que, effectivement, si j'avais été jardinier, j'aurais fait autre chose. Si j'avais été photographe aussi, ou voilà, donc j'ai fait ce que j'avais, à mon sens et à mon avis, le mieux faire, c'est-à-dire un roman. Mais je pense que, quand même, la base d'un récit, c'est un événement. Et là, effectivement, c'est un événement, c'est la mort de quelqu'un. Mais c'est pas n'importe quelle mort en même temps, parce que le suicide, c'est une, j'allais dire, c'est une mort extrêmement particulière. C'est-à-dire que là, on est, je pense que en présence de quelqu'un qui s'est suicidé, on est en présence, d'une certaine façon, d'un acte métaphysique. On se demande si on n'a pas commencé à penser un jour, parce qu'il y avait quelqu'un qui a pensé à se suicider. C'est d'ailleurs très frappant parce que j'ai remarqué chez les enfants que quand ils arrivent à l'âge où ils commencent à penser, vers l'âge de 10 ans, 12 ans, enfin qu'ils pensent en dehors des créneaux qu'on a pu leur donner, c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de dire, ah ben oui, mais de toute façon, je peux mourir tout de suite. C'est-à-dire cette espèce de fait bizarre un peu, de se dire, bon, ben, je suis éternel si je veux, je suis pas obligé. Ça peut s'arrêter immédiatement. Enfin, vous savez, souvent les auteurs ont dit, bon, on n'a rien compris à ce que j'avais voulu faire, etc. Là, c'était pas le cas. Non, non, là, j'ai une sorte de compréhension, j'allais dire universelle ou quasi universelle, dans le sens où bah, c'était, si vous voulez, au-delà du livre, bon, il y a l'aspect littéraire, bien sûr, mais l'histoire, c'est quelque chose de qu'on peut prendre dans sa main, quoi, si j'ose dire. C'est la mort de quelqu'un, c'est une expérience que tout le monde a pu faire et que finalement tout le monde prend au sérieux, quoi. C'était un peu l'écueil en même temps du livre parce que a priori sur ce plan-là, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs à la fin. J'ai toujours une certaine répugnance pour les sujets qui étaient touchants au départ. C'est-à-dire comme si le sujet faisait le livre au départ, comme si comme si c'était déjà fait, puisqu'on est déjà touché rien qu'à l'énoncé du sujet. Et je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Je me suis aperçu que je pensais que quand on partait d'une réalité qu'on avait vécue, en gros, on n'avait plus qu'à la recopier. Si vous voulez, moi, la difficulté en fait du livre, c'était justement d'arriver à donner une réalité, c'est-à-dire d'arriver à avoir cette espèce de piqué qu'on peut avoir en photo avec tous ces détails de l'existence et de la vie qu'en réalité on a oubliés. C'est-à-dire on les a oubliés et pour que la vérité surgisse, il faut les inventer, il faut en inventer d'autres. C'est ça, vous savez, je crois pas du tout à je crois pas du tout à la vérité, au sens où, quand ce serait un souvenir authentique, c'est la vérité. La littérature, c'est absolument le contraire. Moi, ce qui m'a été effectivement extrêmement difficile, c'est d'inventer des choses que j'étais obligé d'inventer. C'est-à-dire que, pour les autres livres, j'étais beaucoup plus libre parce que j'inventais ce que je voulais. Là, c'était une invention qui avait un but. C'était une invention justement de faire surgir une réalité. Et là, dans ce livre, pour répondre plus précisément à votre question, je crois que pour démêler l'imaginaire du réel, il n'y a que deux personnes, c'est moi et elle. Donc il n'y a qu'une personne, c'est moi. Je sais pas comment ça se passe. Alors peut-être que d'arriver à donner le sentiment de réalité aux choses, bah, c'est peut-être finalement ce qui fait que je sais que je vais employer un gros mot, mais à un moment faudrait peut-être l'employer. C'est peut-être le talent. C'est peut-être le talent d'un acteur justement de donner l'impression qu'il est vrai, si vous voulez. Mais pour reprendre mon image de l'abbé Pierre ou l'officier nazi, l'acteur qui va jouer un officier nazi n'a pas besoin de devenir nazi et de s'inscrire à un parti quelconque. Mais voilà, c'est peut-être ce qui fait le talent, c'est cette espèce
Moi, je l'appelle de la technique, mais il n'y a pas d'idée de ma part de recherche de technique. Simplement, moi, dans ce livre, je me retrouvais au pied du mur. Il fallait, pardon. Oui. Les deux, on va dire. Au pied du mur, il fallait bien que j'arrive à faire apparaître quelque chose. Alors, pour faire apparaître quelque chose, il faut, vous savez, il faut l'inventer, quoi. C'est quelque chose, il y a rien là. Donc, on est obligé d'inventer des choses. Simplement, là, il fallait que j'invente des choses pour faire apparaître quelque chose que je connaissais à l'avance. Je suis content d'avoir écrit ce livre parce que je pense qu'il était. Il était dur à écrire quand même. Je pense que c'est avec des événements comme ça et des livres comme ça qu'on se dit que en fait la vie, contrairement à ce qui nous est vendu quotidiennement, c'est pas le bonheur qu'il y a dans les publicités pour les voitures, par exemple. Finalement, la vie, ça ne vaut la peine de s'y intéresser que si on accepte de passer un certain nombre de passages, d'épreuves, de tunnels. C'est-à-dire que comme si on ne pouvait finalement voir la lumière que parce qu'il y avait l'obscurité. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où les efforts sont toujours énormes, mais où on ne nous les vend pas. On nous vend le contraire de l'effort. On nous vend une sorte de bonheur qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, d'ailleurs, parce que on arrive à des choses un peu absurdes. Par exemple, vous avez des parents qui disent, ah ben moi, le seul but, c'est que mes enfants soient heureux. Alors vous leur demandez, mais vous avez été heureux? Ah non, 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 mais pas tout le temps. Mais vous dites, alors vous demandez à vos enfants quelque chose que vous avez été incapable d'obtenir. C'est-à-dire que on est dans une sorte, on est dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais la vie, en fait, c'est d'être heureux. Moi, je crois que le bonheur existe, comme on l'a toujours su, de façon momentanée. Mais je pense qu'une vie, pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans la vie, finalement, c'est de passer des étapes, c'est d'essayer d'aller plus loin dans certaines directions, des directions qui peuvent. Direction intérieure, je dirais. Donc le livre, oui, moi je suis fier d'avoir écrit, oui. Et c'est pas littéraire, c'est pas que je dis je suis fier d'avoir écrit un pareil chef-d'œuvre. Non, c'est je suis fier d'être arrivé, oui, jusqu'au bout de ce livre, oui. Vous avez raison, peut-être que l'humour, ça permet de supporter la vie avec d'autres choses, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'humour. C'est très curieux. Il y a des gens qui n'ont absolument aucun besoin d'humour et qui comprennent même pas l'humour, qui comprennent pas que quelque chose puisse être drôle. Et c'est peut-être finalement une bénédiction, d'une quelque façon que ce soit, que de prendre au sérieux la vie, parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à prendre au sérieux la vie et donc qui ont même du mal. Et ça, il faut faire un effort sur soi-même pour se prendre au sérieux soi-même. Si vous voulez, je pense pas que l'intelligence soit un handicap. Pour la pensée, puisque autrement il n'y aurait pas de pensée, mais je pense que ça indique, c'est, je pense qu'on vit mieux quand on est quand on arrive à être un humain proche de l'animal, quoi, qui ne pense pas, parce qu'à partir du moment où vous pensez, alors par contre, et où vous riez de tout, là il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Ben, c'est toujours un problème parce que, par exemple, à la fin du livre, je dis que Victor Hugo vendait sa fille. Ben, c'est un problème de la littérature, c'est ce problème de faire de l'art même, de faire des objets avec des gens qui sont morts et qui sont utilisés. Ils sont utilisés à la fois parce qu'on en fait quelque chose d'autre, que ce soit un livre, une peinture ou même une musique. Et en même temps, comme on est dans une société marchande, ils deviennent des objets qui sont vendus, que ce soit des musiques, que ce soit des tableaux, que ce soit des livres. Ça, c'est une ambiguïté, bon, qui me dépasse de beaucoup. Mon avis, quand même, c'est que la littérature, malheureusement, c'est un art. Je dis bien malheureusement parce que
C'est un art qui est assez mal loti parce que regardez la peinture, par exemple. La peinture, à qui a affaire un peintre? Un peintre, il a affaire à des collectionneurs et à des musées. C'est-à-dire qu'il a affaire à des aficionados. Il a affaire à des gens qui connaissent toute l'histoire de l'art. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un long moment avant que le public, c'est-à-dire tout le monde, moi ou d'autres, qui ne sont pas vraiment passionnés soit par la peinture, soit en l'occurrence par la littérature. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés par la littérature. Il y a beaucoup de gens qui achètent des livres, mais ou qui en lisent. C'est pas mais qui soient passionnés par la littérature, il n'y en a pas beaucoup. Et si vous voulez, le problème de la littérature, c'est un problème de forme. C'est-à-dire que toutes les révolutions artistiques, toutes les évolutions en art ou en littérature, c'est toujours sur le plan de la forme. Par exemple, Madame Bovary, on l'a pris à son époque comme quelque chose de scandaleux sur le plan des mœurs. C'est-à-dire que c'était une femme qui trompait son mari, qui rêvassait à des amants. Mais ça, c'est l'époque qui l'a vu comme ça. Mais en réalité, c'était une révolution formelle dans la littérature. C'est-à-dire que jamais plus après Flaubert, on a pu envisager le roman de la même façon. C'est-à-dire que moi, c'est un peu il y a une rupture dans ce que j'écris, je pense à chaque livre, en fait. Parce que avant d'écrire Microfiction, c'était pas du tout ce que j'écrivais. Clémence Picot, c'était pas tellement en rapport avec Promenade, etc. Non, moi j'ai toujours eu cette espèce de volonté. C'est forcément un échec, hein, mais c'est quand même une direction d'essayer de faire table rase à l'intérieur de ce que je fais moi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a souvent des livres, des sortes d'essais où il y a une critique radicale de toute la littérature qui existait et une volonté d'un projet littéraire qui serait une table rase. Malheureusement, il y a loin de la coupe aux lèvres et décider une table rase et y parvenir, c'est beaucoup plus dur. Mais moi, disons qu'à mon petit niveau personnel, à chaque fois que j'écris un livre, j'essaie de faire quelque chose de différent parce que ça m'intéresse justement d'aller ailleurs. Je suis un peu comme un explorateur qui aurait bon exploré les Indes et qui se dirait bon, mais je vais aller en Australie. Merci beaucoup de nous avoir Merci fait à rire à vous. la fin.